Comment je vais? Ah, oh, c'est compliqué. C'est une question de Aurel et de Céléa. Ça va en ce moment, un peu fatiguée parce que j'ai plein de projets dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Le Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée si vous entendez les jardiniers qui chassent les feuilles là avec leur machine, genre... Sur Twitch, on me dit que je fais super bien les imitations. J'espère que vous êtes convaincus vous aussi, moi je l'ai été. Aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ qui va me permettre de parler de plein de choses. Bah, j'espère que ça va vous plaire et on commence sans plus tarder. Une question de Dean638, la vente de tes livres te permet-elle de vivre ou ce sont plutôt tes prestations? Alors moi, mes livres, ça m'a permis de vivre environ 3-4 mois, il y a 3-4 ans. En fait, le seul moment où j'ai vécu de la vente de mes livres, c'était à la sortie de L'Expiation jusqu'à la sortie de Midnight et un peu après. C'est le seul moment où j'ai pu réussir à me faire un SMIC. Sinon, depuis, pendant une grande période, ça me permettait de ramener 400-500 euros par mois. Et aujourd'hui, ça fait quand même 3 ans et demi que je n'ai rien publié. Rien. Alors maintenant, mes droits d'auteur, c'est ridicule. Je ne fais presque plus de ventes parce que ça fait hyper longtemps que le livre a un temps de vie assez court. Non, c'est mes prestations qui me permettent de vivre avec la création de contenu pour les réseaux sociaux et ça a toujours été comme ça. Ouais, pardon, on déménage, mais c'est juste trop horrible. Hein. Et du coup, vous voilà dans ma salle de bain. C'est la seule pièce qui donne pas sur le jardin. Maintenant, on va faire plusieurs questions de Moonlight qui me permettent de parler de Fight for Words qui a lieu le 24, 25, 26 novembre prochain, donc c'est dans une semaine. Ça tombe très bien. Comment sont comptabilisés les mots? Que se passe-t-il si on ne respecte pas notre objectif? Fight for Words, c'est le challenge d'écriture que j'organise la semaine prochaine. Et je veux vraiment que ce soit un challenge qui concurrence le NaNoWriMo, qui soit aussi populaire et encore plus cool. C'est la 3e édition. On a déjà eu une en novembre l'année dernière et en avril cette année. Et le concept, c'est que chaque écrivain doit écrire le plus possible pendant 3 jours ou le temps qu'il a pour participer. Tous les participants sont répartis en 2 équipes et l'équipe qui écrit le plus gagne. C'est un challenge où je n'ai pas de moyen de vérifier le nombre de mots que vous écrivez chez vous, ok? Vous écrivez sur votre traitement de texte ou le logiciel que vous utilisez d'habitude et tout ce que vous avez à faire pour Fight for Words, c'est reporter dans une case votre nombre de mots total depuis le début de votre participation. C'est tout. C'est donc basé sur l'honnêteté, il n'y a absolument rien à gagner, donc absolument aucune raison de tricher, à part d'être un abruti, clairement. De toute façon, il y a une équipe de modérateurs qui surveille les scores si jamais ils voient que votre score d'un seul coup vous avez rajouté un nombre de mots incroyable ou que votre progression est bizarre, on prend contact avec vous, on essaie de voir s'il y a une justification ou pas, s'il y a vraiment cas avéré de triche, de toute façon vous êtes banni de la compétition et il n'y a pas moyen de négocier après. Et ce qui est bien dans Fight for Words, c'est que tout le monde peut participer parce que vous avez des catégories. En gros, vous pouvez vous inscrire dans 4 catégories, catégorie poids léger autour de 2000 mots, catégorie poids moyen autour de 6000 mots, catégorie poids lourd autour de 10000 mots et colosse 20000 mots et plus. Donc même si vous n'avez pas moyen d'être présent tout le week-end, que vous n'avez qu'une fenêtre de 1 heure pour participer, et ben vous pouvez très bien vous inscrire en poids léger et il y aura dedans tous ceux qui auront les mêmes contraintes que vous. C'est pas grave du tout si vous atteignez pas votre objectif, parce qu'il y en aura plein d'autres dans ce cas-là, c'est vraiment juste histoire de pouvoir donner sa chance à tout le monde de participer et sans que ça pénalise qui que ce soit, enfin aucune équipe en fait. Parce que vraiment il y aura le même nombre de poids légers dans chaque équipe, c'est calculé pour, c'est fait pour sur le site. Voilà, les poids légers, on sait que vous n'avez pas forcément le temps de participer, que vous n'êtes pas sûr d'atteindre votre objectif et c'est pas grave du tout. Mais pareil pour les autres catégories, hein. En avril dernier je m'étais inscrit en poids moyen parce que je pensais vraiment pouvoir faire que 6000 mots. Bah au final j'ai fait plus de 10000, donc j'aurais pu m'inscrire dans la catégorie poids lourd. Il y en a d'autres, ils s'étaient inscrits peut-être en poids lourd mais ils ont pu faire qu'un score de poids moyen. On sait que ça fait partie des aléas, c'est pas grave, on fait tous de notre mieux. Soit vous êtes surestimé, soit vous êtes un peu sous-estimé, ça arrive. Par exemple, si vous hésitez entre 2 catégories comme poids moyen ou poids lourd, je vous conseillerais quand même de vous inscrire en poids lourd parce qu'il y a tellement d'ambiance, tellement un élan de positivité, de motivation, tout ça qui arrive, qu'on dépasse bien souvent ses objectifs. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous. Une autre question, doit-on être présent à toutes les sessions d'écriture sur les 3 jours? Non, vous êtes présent quand vous le pouvez. D'ailleurs, on me demande aussi à quelle heure seront les sessions d'écriture. Alors moi, personnellement, je ferai live, parce que c'est retransmis en direct sur Twitch. Je ferai live le vendredi de 20h à minuit, le samedi de 10h à minuit, et le dimanche de 10h à
à 18h. Mais vous pouvez très bien écrire hors de ces séances-là, du moment que le challenge a commencé vendredi à 20h. Vous pouvez même écrire la nuit. Ça sera en direct sur Twitch, sur la chaîne de Nora, qui est une autre streameuse. Par contre, c'est vrai que pour tous ceux qui font une participation nocturne, il y aura présence sur le Discord obligatoire. Ça sera expliqué pendant la compétition. D'ailleurs, c'est la question de Justine Brajou. Et y a-t-il un Discord pour Fight for Words ou un groupe Insta pour discuter avec notre équipe? Il y a un Discord pour la chaîne Twitch où il y a une catégorie spéciale pour Fight for Words. C'est là que vous pouvez discuter avec vos coéquipiers, là que vous pouvez contacter un membre des modérateurs si vous avez un problème, là que pour la nocturne, on pourra vous demander de justifier votre progression. Ça sera expliqué aussi lors de la compétition, mais il y en a bien un, il faut juste passer par Twitch pour l'avoir. Une question de Enetaris, comment imagines-tu Fight for Words dans quelques années? Qu'aimerais-tu voir comme changement? Alors comme je l'ai dit, Fight for Words, pour moi l'objectif, ça serait vraiment que ça devienne le gros challenge francophone que tout le monde connaît, un peu comme le NaNoWriMo. J'ai vraiment de très très grands projets pour Fight for Words. Je trouve le concept tellement cool, on s'est tellement bien amusé pour les deux dernières éditions et je sais qu'on va encore s'amuser pour celle-là. À chaque fois, je rajoute des options, je rajoute des trucs cool. Par exemple, cette fois-ci, on va avoir un mode duel qui nous permet de défier un écrivain de l'équipe adverse, mais dans la même catégorie que nous. Comme ça, celui qui écrit le plus pendant une demi-heure remporte un badge et remporte le duel. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez participer encore une fois même en étant un poids léger, parce que vous serez contre un autre poids léger. On va pas vous mettre face à un poids lourd ou un colosse qui écrit 10 000 mots à la minute. Mais par contre, du coup, dans quelques années, c'est vrai que moi, ma vision globale, c'est que Fight for Words devienne un site qu'on puisse avoir toute l'année. Donc oui, il y aura les challenges deux fois par an, mais il y aura aussi peut-être des trucs un peu tout au long de l'année, des graphiques pour suivre sa progression, des mini-challenges, tout ça. Enfin bon bref, j'aimerais vraiment que Fight for Words accompagne les écrivains tout au long de l'année en les challengeant, mais aussi en les motivant et en les inspirant. Mais ça, c'est pas du tout pour tout de suite. Alors une question de Eva Morey, j'aimerais créer ma marque pour aider les écrivains et collaborer avec toi. Possible? Bah c'est un peu vague. Marque de quoi? Après, bien sûr, si vous voulez me parler d'un projet, je suis parfaitement ouverte. Faut juste tenir compte que je suis pas mal occupée en ce moment. Voilà, peut-être que je réponds pas tout de suite ou peut-être même que je dirais non. Mais oui, bien sûr, on peut en discuter, pas de souci. D'ailleurs, une question de Lady Caféine, la boutique Fight for Words ne t'arrête plus, quelle est la prochaine étape? Franchement, je vais essayer de me consacrer à ces deux projets-là pour qu'ils grandissent pas mal, parce que là, on en est vraiment qu'au stade début. C'est déjà pas mal développé, c'est déjà bien lancé, hein. Mais j'ai vraiment de grands projets pour ces deux trucs-là, de Fight for Words et de la boutique. C'est les deux choses qui me motivent pour l'avenir. Je vais déjà mener ça bien et après je verrai pour quelque chose d'autre. Alors, une question de Brocolittérature, comment tu arrives à gérer ton emploi du temps entre Fight for Words, writership, tes romans et ta vie perso? Il faut savoir que je gère très mal les choses, je gère pas bien du tout, je suis pas du tout un exemple. Par exemple, si je suis là en train d'enregistrer la vidéo dans ma salle de bain parce qu'il y a les jardiniers qui font du bazar dans le jardin, c'est parce qu'on est mardi que la vidéo sort demain. J'étais supposée l'enregistrer lundi, que la monteuse ait le temps de le faire, mais j'ai fait genre une espèce de petit craquage émotionnel qui a fait que j'étais en PLS toute la journée et que j'ai pas pu enregistrer la vidéo. J'ai essayé mais j'y arrivais pas. Moi je suis du genre à vraiment pouvoir carburer à fond, mais vraiment à fond, genre journée, soir, week-end, voilà, pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Là depuis septembre, voilà, je fais que monter comme ça. Mais à un moment j'explose en plein vol, ce qui est plutôt normal d'ailleurs. Mais voilà, au lieu d'équilibrer un peu les choses, moi je suis du genre à, ça a toujours été comme ça, à fonctionner à 150% et puis à un moment je vais être à 10. C'est pas que j'ai géré particulièrement, c'est juste que j'ai rempli mon emploi du temps à mort pendant 3-4 mois et bah maintenant je vais décompenser un petit peu. Je tiens jusqu'à Fight for Words. Si vous voyez pas de vidéo d'ailleurs au début du mois de décembre sur la chaîne, c'est parce que je serai dans mon lit. Prenez pas exemple sur moi forcément, on fait tous de notre mieux je crois et c'est plutôt ça qu'il faut retenir, je pense. Une question de Emma Chapon, peut-on envoyer aux maisons d'édition un manuscrit auto-édité sur KDP? Je te conseillerais, si jamais tu veux vraiment passer en édition, de réserver ton roman à l'édition. Parce que même s'il y a des maisons d'édition qui sont ouvertes aux auto-édités, enfin aux livres qui ont déjà été auto-édités, t'en as certaines qui vont quand même vouloir absolument un manuscrit original, qui n'a pas été auto-publié avant. Si vraiment ton objectif c'est d'être édité, je te conseillerais de mettre toutes tes chances de ton côté et garder le roman pas auto-édité et voilà, viser continuellement les éditeurs. Et vraiment, si tu passes par l'auto-édition ensuite, c'est que peut-être, d'une certaine manière, tu auras fait une croix sur l'édition pour ce manuscrit-là. Une question de Mathilde Reeds, combien de manuscrits as-tu abandonné avant d'en finir un? Des tas, genre plein. J'ai commencé à écrire, j'avais 18 ans, c'était il y a 11 ans. J'ai publié Lula et les monstres il y a 5 ans. J'ai eu, je crois, des dizaines et des dizaines de manuscrits Word qui ont été avortés. Ils font tous entre un paragraphe et 5 pages, et il y en a plein. Donc franchement, même si vous abandonnez un projet, ça veut pas dire que vous écrirez jamais de roman de votre vie. Par exemple, on m'a aussi demandé où en était Gia. Gia, pour l'instant, ça reste juste le tatouage que j'ai sur le poignet. Certes, c'était ma première histoire, celle qui m'est venue en tête, celle qui
qui m'a donné envie d'écrire. C'est l'histoire fondatrice de tout, mais je pense pas que je l'écrirai un jour, mais c'est pas grave. J'ai abandonné plein de manuscrits et je regrette pas parce que bah, j'en ai publié 4 depuis, ça aussi c'était une autre question. J'en ai écrit 1, 2, 3 autres là qui sont encore au stade de premier jet et que j'ai la flemme de corriger. En ce moment j'ai juste envie de m'amuser. Une question de Hugo DGM, j'ai peur d'avouer à mes proches que j'écris. Est-ce que tu aurais un conseil? Je vois tout à fait. Alors moi je te dirais, si tu penses vraiment que tes proches ne vont pas te soutenir ou alors que leur réaction peut nuire à ton écriture, à ta stabilité en tant qu'écrivain, t'es pas obligé de leur dire. T'as pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Voilà, t'as pas besoin de l'autorisation des gens pour faire quelque chose, surtout si c'est écrire, tu vois. Et si tu as besoin de soutien, il y a plein de communautés en ligne qui t'apporteront soutien, conseils, positivité, qui te remonteront le moral si jamais t'as un problème. Si tu sens que ça va pas être là où tes proches vont être le mieux, peut-être que tu peux trouver d'autres personnes qui vont te soutenir. Après, si c'est juste parce que t'as peur, tu penses qu'ils vont te soutenir, mais voilà, t'as juste peur de leur avouer un truc aussi intime, bah là aussi, prends ton temps, fais les choses comme elles te conviennent à toi. Et si un jour tu sens que c'est le bon moment, bah tu leur diras à ce moment-là. Mais encore une fois, t'as besoin de la validation de personne. Reste concentré sur ton truc. Une question de Laura PNL. Y8, aurais-tu un petit mot à donner à tous ceux qui écrivent et qui doutent de leur capacité? Oh, je leur dirais que tout ça dépend grandement de la confiance qu'on a en soi, que c'est pas forcément lié à notre écriture ni à notre avenir en tant qu'écrivain, qu'on traverse tous les mêmes phases, que je pense qu'en tant qu'artiste, on est souvent plus sensible que la moyenne. Et certes, ça nous permet d'entrevoir de très belles choses, c'est pour ça qu'on arrive à créer des histoires, mais ça nous rend aussi plus fragiles à d'autres, qui sont souvent des choses négatives et qui font qu'on doute constamment, que c'est jamais facile. Être super sensible, ça nous ouvre à l'écriture, je pense, mais ça nous ouvre aussi à pas mal d'autres inconvénients et ça peut être un peu chiant. Donc je te conseillerais déjà de relativiser. Je traverse constamment des phases où je me trouve très nulle. Hier encore, je me trouvais hyper nulle. C'est un truc, mais c'est parfaitement normal. C'est juste lié à nous et à notre tête bizarre. Et pense encore une fois à t'entourer de gens qui traversent les mêmes choses que toi. Bah, d'autres écrivains par exemple. Mais je sais que sur Twitch, par exemple, on se soutient énormément vis-à-vis de tout ça, je trouve. On se soutient à les uns les autres, ça nous pousse tous à continuer jour après jour. Une question de Suzanne Aikage. Est-ce qu'on pourra commander certains éléments de la box avec d'autres choses qui sont à part? Alors oui, tout à fait. Pour ceux qui savent pas, bon, déjà j'ai une boutique pour les écrivains, c'est un genre de papeterie mais avec d'autres trucs qui sont trop cool pour les écrivains. J'ai sorti une box pour Noël qui est en précommande pour l'instant, qui sera envoyée début décembre pour que vous l'ayez sûr pour les fêtes. Et avec le thème sorcier, elle est vraiment trop trop belle, j'ai vraiment énormément travaillé dessus, donc en plus j'ai vu qu'elle vous plaisait parce qu'il y a eu des précommande, donc c'est super chouette. Mais c'est tout à fait possible, oui, de commander des éléments à part. C'est juste qu'il faudra du coup attendre que les box soient finalisées et que elles soient envoyées aux premières personnes qui l'ont réservé. Mais du coup, les produits, je pense, seront mis en vente séparément, dans la limite des stocks disponibles, parce que ce sera ce qui n'a pas été pris pour les précommandes. Ça sera du coup début décembre. Mais par contre, regardez bien si ça vaut le coup de commander les trucs séparément, parce que la box vaut 40€, mais les prix séparés de chaque produit, ça fait 50€ en tout. Le carnet il est à 14, le bloc fiche chapitre il est à 12, le thé il est à 8, la bougie elle est à 13, le sticker il est à 2. Donc vous voyez, pour les produits que vous voulez pas commander, si vraiment ça vaut le coup de pas commander la box et au pire d'offrir les produits à quelqu'un de proche pour les fêtes, ou si c'est plus rentable du coup oui de commander séparément. Une question de SSelma8. Pourquoi avoir fait une collection sorcier? Pas que ça me dérange, au contraire. Parce que je m'étais dit Noël, magie des fêtes, Noël, tout ça, c'est lié. Mais je voulais pas faire une collection non plus de trucs de papeterie avec des sapins ou des boules de Noël. Enfin, je sais pas, je voyais pas quel écrivain voudrait écrire sur un carnet avec un sapin. Bref, je préférais faire un truc magie, sorcier, tout ça, pour la magie des fêtes. Et aussi parce que c'est un thème qui m'inspirait énormément. Genre, j'avais déjà des designs en tête, donc je me suis dit, allez, ça correspond à la période, c'est super, on y va. Mais il y a plein d'autres thèmes que j'ai envie d'explorer tout au long des collections et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Une question de Julie Mélodie Vidocin. Comment je fais pour utiliser tes fiches perso? Elles sont trop belles, j'ose pas écrire dessus. Vous avez été plein à commander les fiches perso, mais j'espère que vous écrivez dessus. Si vous osez pas parce que vous avez peur de gommer tout ça, n'utilisez pas de crayon de papier, parce que effectivement avec la gomme, vu qu'il y a de la couleur sur la page, ça donne pas super, ça va pas bien gommer du tout. Par contre, vous savez, les stylos à encre effaçable, ça s'efface super bien. En tout cas, moi j'ai testé de mon côté, ça s'enlève très bien. Du coup, même si vous écrivez dessus et que vous voulez vous reprendre un peu, vous pouvez gommer, ça fonctionne. Mais merci pour le compliment, ça me fait super plaisir. Une question de Laura Chester. Quand est-ce que tu as réalisé que tu voulais devenir écrivaine et pas juste écrire comme un hobby? Bah, je pense que ça a été dès le début, parce que ça a été un vrai coup de foudre en fait. Quand j'ai eu ma première histoire, Gia, qui arrivait dans ma tête, j'ai su que c'était à ce moment-là le
truc le plus important de ma vie et que j'avais enfin trouvé ma place. Et pour quelqu'un qui jusqu'à présent se demandait un peu ce qu'elle faisait, où elle allait, à quoi ça servait d'exister, ça a vraiment été hyper marquant. Dès le début, j'ai vu qu'il y avait rien d'autre qui m'intéressait. Ouais, maintenant c'est faux, il y a plein de choses qui m'intéressent, donner des conseils d'écriture, faire du contenu pour les réseaux sociaux, créer une marque de papeterie, développer un challenge d'écriture. Donc j'ai vu que voilà, à l'époque, certes pour moi c'était la seule chose qui existait, raconter mes histoires, mais depuis ça s'est un peu agrandi. Rien d'autre comptait. Et forcément, si rien d'autre ne compte, j'ai pas envie d'accorder du temps à ce qui ne compte pas plutôt qu'à ma passion. Donc ouais, ça a été hyper rapide, ça a été le coup de foudre intégral. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent un peu là-dedans. Pour autant, j'ai continué mes études, j'ai eu ma licence. J'ai été faire d'autres études après dans l'édition pour justement approfondir un peu ce sujet, être capable de me débrouiller vraiment, parce que vu que c'était un coup de foudre intégral, que je voulais absolument faire ça, je me suis dit, il faut à tout prix que je me professionnalise là-dedans. Je sais qu'il n'y a rien d'autre qui comptera de toute façon. Genre, je pourrais faire n'importe quel autre métier, je le ferais toujours que à moitié. Ça serait juste un boulot alimentaire, limite. Mais je me suis dit, bon bah, quitte à avoir un travail, le temps que mes livres rapportent des sous, bah, autant faire un truc qui me permet d'apprendre peut-être des choses qui pourront servir mes livres. Je sais pas du tout si je m'exprime bien, je suis assise par terre dans ma salle de bain et j'ai mal au cul, mais voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Je me suis pas du tout fermée, au contraire, j'ai essayé d'élargir mes perspectives. Pour ça que j'ai été en édition, pour ça que j'ai toujours pensé bouquin dans tous mes choix, parce qu'au final c'est une histoire de choix. Parfois on n'a pas le choix et ça c'est chiant, mais moi j'ai eu la chance de l'avoir. Du coup, tous mes choix ont toujours été en fonction de est-ce que ça sert ou pas, mes bouquins, la voie que je me trace, tout ça. Et c'est ça le plus important au final. Et pour finir, parce que la vidéo doit être assez longue, une question de Lady Caféine. Vas-tu refaire des vidéos J'écris comme? Elles étaient géniales, merci beaucoup. Pour tout vous dire, j'ai prévu d'en faire une la semaine prochaine. Je sais que ça vous fait plaisir, c'est la vidéo qu'on me demande le plus, mais j'aimerais bien en faire une comme ça la semaine prochaine. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ce serait une bonne manière, je crois, de conclure la série de vidéos avant mon craquage de Fight for Words. Je pense que ça peut être très sympa, donc peut-être la semaine prochaine, j'espère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo presque intégralement tournée dans ma salle de bain. J'espère que ça vous a plu quand même. N'oubliez pas Fight for Words la semaine prochaine, 24, 25, 26 novembre, ça va être génial. Je sais pas si vous avez déjà tenté le challenge, j'en ai que des bons retours. Vraiment, c'est un challenge où on se marre pendant 3 jours, on écrit à fond pendant 3 jours, c'est juste trop bien. Parce que certes, il y a deux équipes qui s'affrontent, les bleus et les jaunes, pour savoir qui écrit le plus, mais à la fin, en fait, dans les dernières heures de dimanche, la seule chose qu'on regarde, c'est l'objectif commun qu'on a. La dernière édition, c'était 2 millions de mots, cette année, on vise les 3 millions, et c'est la seule chose qui compte, c'est d'atteindre ce palier. Et il y a une espèce d'élan à chaque fois, c'est juste trop bien. Franchement, la communauté est top. Vous allez passer un super week-end. Tous ceux, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont déjà participé et qui peuvent peut-être donner leur ressenti dans les commentaires pour convaincre ceux qui hésitent encore. Venez voir, les inscriptions seront ouvertes peut-être fin de cette semaine, en tout cas, c'est sûr, semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. C'est une pré-inscription par contre, donc vous étonnez pas si vous pouvez pas déjà choisir votre catégorie ni voir votre espace personnel, tout ça. Vous pourrez seulement valider votre inscription, choisir votre catégorie lors de l'événement. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ni à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye !